Donc pour moi, faire un post-doctorat, ça a d'abord un intérêt scientifique. Donc ça me permet d'évoluer dans une autre équipe de recherche avec d'autres chercheurs autour de moi et pouvoir bénéficier de leur appui ou de leur accompagnement pour renforcer mes propres capacités de recherche. Et alors, faire ce post-doctorat ici à McGill, au Canada, à Montréal, c'est d'une part intéressant parce que c'est une université anglophone de bonne réputation. Donc c'est toujours bien de faire un parcours de recherche dans une université comme celle-ci. C'est aussi intéressant par rapport à l'économie sociale, puisque le Canada et le Québec sont pionniers en économie sociale, donc ça me permet de voir d'autres choses, de découvrir un autre écosystème en termes d'économie sociale, même s'il y a des choses aussi similaires à ce que j'ai pu étudier en Belgique. Et d'un point de vue plus personnel, je travaille en anglais, en français, je suis dans une ville bilingue, et donc c'est aussi intéressant pour moi de garder un pied dans les deux. Donc je pense que c'est un tremplin entre le doctorat et une possible carrière scientifique. Ça me permet vraiment, comme je disais, de travailler sur le renforcement de mes capacités de recherche en étant dans un centre de recherche qui soit différent avec d'autres chercheurs que ce que j'ai pu connaître en Belgique. Et alors également le fait que ce soit dans une université comme McGill, avec la réputation de McGill, c'est également un tremplin pour une potentielle carrière scientifique ici ou en Belgique, selon les opportunités qui se présenteront.